Bonjour à tous. Bonjour, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter. Ce que je vous propose, c'est d'attendre 2-3 minutes. Il est 11h01. On va attendre 11h03, 11h04 pour démarrer, afin de laisser l'ensemble des participants le temps de se connecter. J'attends encore une petite minute et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Je vois vos différents messages dans l'onglet questions. Allez, il est 11h04, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous, je me présente Mathilde Giammatteo, je suis responsable marketing dans le domaine de la santé et du médico-social au sein de l'APAV et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre e-workshop dédié au nouveau dispositif de la HAS, donc de la Haute Autorité de Santé, sur l'évaluation des ESSMS, établissements sanitaires et sociaux et médico-sociaux. Alors, pour vous donner quelques informations techniques, donc l'e-workshop va durer environ 1 heure. Sur la droite de votre écran, comme certains l'ont déjà compris, donc vous avez 2 onglets. Un onglet questions, donc n'hésitez pas tout au long de l'événement à poser vos différentes questions. On aura un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et puis, on a également un onglet sondage, puisque durant cette présentation, on va vous poser différentes questions afin voilà, de connaître un peu vos attentes et vos besoins concernant ce nouveau dispositif. Voilà, n'hésitez pas à y répondre. Ce que je peux vous dire également, c'est que le replay de l'événement vous sera envoyé automatiquement à la fin de l'événement par email, donc sur votre adresse mail à laquelle vous êtes inscrite. La présentation en PDF vous sera envoyée en début de semaine prochaine. Comme ça, voilà, vous n'aurez plus que la présentation sans avoir le son également. Donc, je vais pouvoir vous présenter nos intervenants. Donc, ils sont 3 aujourd'hui. Donc, j'ai à mes côtés Marielle Asseline, qui est notre référente technique nationale ESSMS au sein de l'APAV, Nicolas Blaise, qui est responsable du marché santé et médico-social, et enfin Jean-Pierre Avellaneda, qui est responsable métier projet, conseil et accompagnement technique, et qui vous répondra également à la fin à l'ensemble de vos questions. Voilà, et je laisse la parole à Nicolas pour démarrer l'événement. Je vous souhaite tous un bon e-workshop. Donc l'ordre du jour sur 1 heure, comme vient de vous le préciser Mathilde, donc une présentation rapide de l'entreprise APAV.
Un point important et le nœud central, si on peut dire, du webinaire, les évolutions réglementaires et la présentation faite par Marielle. Une partie prestation que je vous présenterai sur l'offre d'accompagnement qu'on peut vous proposer et une partie questions-réponses d'à peu près un quart d'heure en fin de webinaire et de e-workshop. Le groupe APAV, en deux slides rapidement sur la présentation, une entreprise qui a plus de 150 ans, on est 12 650 salariés au niveau du groupe, en France et à l'international, présent. Une forte population et disponibilité de formateurs, 2200 formateurs qui sont salariés du groupe APAV dans les 12 650, qui interviennent sur des métiers, formations diverses et variées, notamment des formations techniques. Une présence dans 45 pays. 30 évaluateurs et SSMS, c'est le réseau d'intervenants potentiels sur les missions objets du webinaire et du workshop ce jour. Plusieurs centaines, on a réalisé plusieurs centaines d'évaluations externes en ESSMS sous l'ancien référentiel. Et on est présent sur le marché médico-social avec de multiples partenariats sur des syndicats professionnels et environ un tiers des établissements médico-sociaux en France nous font confiance sur nos métiers principaux au niveau du groupe APAV, qui sont les suivants. Donc, sur la partie groupe APAV, 5 métiers complémentaires. Le premier pour lequel peut-être vous nous connaissez au niveau de vos établissements, qui sont l'inspection, qu'on appelle habituellement contrôle réglementaire, qui est la vérification d'une installation technique ou d'un matériel et de s'assurer de sa conformité ou de son état de conservation. Le deuxième métier, c'est toutes les prestations qui ont trait aux essais, mesures, prélèvements, analyses sur des mesures environnementales ou aux postes de travail. On peut citer entre autres la partie amiante, la silice, les COVID sur des mesures de prélèvement d'air, qualité de l'air notamment. La partie formation dont je vous parlais à l'instant avec les 2200 formateurs sur des formations techniques sur lesquelles vous allez retrouver sur des formations métiers, formations sécurité ou des formations qualifiantes qui sont menées et mises en place au niveau de différents centres de formation en France. Quatrième métier, la partie certification label, certification de compétences, de management, services ou produits et dans certains cas des labels que l'on développe avec des clients pour une activité ou un métier bien particulier. Cinquième et dernier métier, la partie conseil accompagnement technique, toutes les prestations d'accompagnement et de conseil sur des référentiels qui sont liés au code de l'environnement, sur des risques environnementaux, inondations, pollution de sol, entre autres. On intervient aussi sur la performance des équipes au niveau QVT, RPS, et on intervient sur la partie maintenance ou gestion au niveau du patrimoine immobilier, de la gestion d'installations techniques. Voilà en résumé en deux slides, le groupe APAV, présent en France et à l'international, était présent sur le secteur santé, sanitaire et la partie secteur médico-social. Je laisse la parole à Marielle sur la partie évolution réglementaire et le sujet qui nous intéresse ce jour. Bonjour. Donc effectivement, je vais intervenir sur la partie réglementaire et technique. Je ne reviendrai pas sur tous les éléments qui ont été très bien décrits par l'HAS concernant la méthodologie, le référentiel et le manuel. Je vais plutôt vous fournir nos éléments d'analyse et les actions que nous vous conseillons de mener dès maintenant. Tout d'abord, un rapide point sur le contexte réglementaire, le calendrier, ensuite, je le verrai après, et des éléments méthodologiques sur l'évaluation externe et l'auto-évaluation, et enfin les différences majeures entre l'ancien et le nouveau dispositif. Ça va être un élément de discussion intéressant. Et enfin, les actions concrètes à mener, comme je vous le disais. Sur la partie réglementaire, je vais revenir sur 5 étapes importantes, les dernières. D'abord, la loi du 24 juillet 2019 et notamment l'article 75 qui a été déterminant puisqu'il a introduit le rôle de la HAS, Haute Autorité de Santé, dans le dispositif d'évaluation des ESSMS. La Haute Autorité de Santé est bien connue pour son intervention dans le secteur sanitaire. Elle a repris le rôle de l'ANESM auprès des ESSMS, notamment sur tout le dispositif d'évaluation et sur les recommandations de la pratique professionnelle. Le deuxième point de cet article, l'article 75, concerne l'article L312-8, c'est le point suivant. Il a évolué sur deux points, notamment l'article L312-8. Tout d'abord, un élément nouveau, intéressant pour toute la suite, c'est d'ailleurs la première phrase, c'est l'obligation d'amélioration continue pour les ESSMS. Il a introduit également une obligation déjà connue d'évaluation externe.
Enfin, la troisième étape est arrivée bien plus tard, fin 2021, par le décret du 12 novembre 2021, relatif au rythme des évaluations de la qualité. Donc là, ça a été bien clarifié, très, très bien annoncé, une disparition officielle de l'ancien dispositif, plus d'évaluation interne, une évaluation externe qui devient récurrente tous les 5 ans, alors qu'elle l'était tous les 7 ans seulement. Et enfin, les modalités de la programmation. Hein, la programmation n'est plus laissée aux établissements, ils n'ont plus la main sur la programmation de leurs évaluations externes, et on nous indique que la programmation est à la charge des ATC, autorités de tarification et de contrôle, qui arrêteront la programmation, la date, hein, d'évaluation externe ou de remise, hein, du rapport sur les 5 années à venir, donc entre 2000, ou les 4 années à venir, plutôt 2023 et 2027. On reviendra là-dessus plus en détail. Le décret du 26 avril 2022, donc s'il est vraiment très récent, là officiellement, l'abrogation du cahier des charges, de l'ancien cahier des charges, qui présentait une méthodologie, hein, assez complexe, vous l'avez vécu, c'était l'annexe 3.10, une trame de rapport assez dense également, pas de référentiel comme ça l'est actuellement. Pas de référentiel, mais des thématiques de questionnement à aborder. Et enfin, des éléments réactualisés concernant la programmation. Je reviendrai encore là-dessus sur la partie calendrier. Le décret du 28 avril 2022, là aussi très récent, c'est le dernier en date, nous parle et nous décrit les modalités d'accréditation des organismes évaluateurs. C'est une notion qui était apparue dès le décret du 12 novembre, où on nous indique que les instances chargées de l'évaluation externe devront être accréditées par le COFRAC. C'est une nouvelle mesure plus stricte, et plus complète que la précédente mesure d'habilitation par l'ANESM. Le calendrier. Alors, le calendrier, on va commencer par maintenant, tout de suite. Hein, c'est ce qu'on a appelé sur cette échelle, hein, la période amont. On est maintenant en juin 2022. Eh bien, on peut, pour les ESSMS, hein, établissements et services sociaux, médico-sociaux, eh bien, vous pouvez démarrer tout de suite, hein, ce dispositif par une préparation. On vous conseille, hein, la HAS vous conseille, tout le monde vous conseillera de vous organiser, de vous approprier le référentiel, de vous former à ce référentiel, ou même de former des ressources dédiées en interne à la démarche qualité. Et enfin, et surtout, de démarrer une auto-évaluation suivant la méthodologie et les outils qui ont été mis en place. Les autorités vont nous donner ou vont commencer à annoncer le calendrier. Il n'empêche que la première vague, hein, c'est la partie verte de mon échelle, la première vague d'évaluation externe va concerner les établissements, les ESSMS, hein, autorisés en 2008 et 2009. Donc, c'est une obligation pour eux de remise du rapport d'évaluation externe entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces ESSMS, hein, donc là, comme pour tout le reste, hein, pour toute l'obligation d'évaluation externe, eh bien, tous les ESSMS autorisés sont concernés, hein, tous ceux qui sont annoncés, énoncés, hein, décrits dans l'article L312-1 du CASF, donc établissement et services. Hein. Je me permets, parce qu'on a eu des questions à ce sujet, d'englober également les SAAD, intervenant auprès des personnes âgées, personnes handicapées. Ils sont bien concernés par cette obligation d'évaluation externe. Je parle des SAAD autorisés avant la loi ASV, mais également autorisés à la faveur, hein, de la loi ASV par ce changement de statut juridique annoncé fin 2015 par la loi ASV.
Donc, je reviens sur cette première vague. Il s'agit des ESSMS autorisés en 2008 et 2009. Les ESSMS concernés sauront se reconnaître. S'ils ne se reconnaissent pas, on peut leur conseiller de consulter leur arrêté d'autorisation ou même de chercher leur date d'ouverture et d'autorisation sur le fichier FINES. Ça n'est pas forcément connu et c'est bien normal. On peut l'oublier de sa date de 2008-2009. Alors, ces ESSMS peuvent dès maintenant se préoccuper de la programmation de leur évaluation externe, à savoir commencer lorsque la liste sera émise, commencer à se préoccuper de sélectionner l'organisme évaluateur. On le verra un petit peu plus tard sur ces possibilités de sélectionner. Je vais décrire la vague numéro 2, qui est la vague d'évaluation externe qui devra être réalisée entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027. Eh bien, pour cette vague-là, on ne va plus du tout s'appuyer sur la date d'autorisation. La date de programmation ou la programmation sera communiquée, sera arrêtée et communiquée par les autorités de tarification et de contrôle aux ESSMS par arrêté, par courrier. On ne sait pas, mais en tout cas, vous serez informé, et ça avant le 1er octobre 2022. Donc, j'insiste, c'est à partir de cette programmation que vous recevrez par arrêté ou par courrier que vous pourrez contacter organisme évaluateur pour envisager une programmation et un devis de cette évaluation externe. La question 1, eh bien, ça fait partie du sondage que l'on vous propose. Connaissez-vous la date d'évaluation externe de votre établissement ou service, en regard de ce que je viens de vous dire, 2008-2009 ou deuxième vague, tous les autres ESSMS qui attendent une programmation au plus tard au 1er octobre 2022 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Alors, des rappels sur les idées clés, les mots clés de l'évaluation externe et de l'auto-évaluation. J'insiste bien, c'était le cas de la précédente évaluation externe, ça l'est encore. L'évaluation externe est et reste un levier d'amélioration et non un contrôle. L'organisme évaluateur ne se substituera pas aux instances de contrôle et d'inspection. Ça reste une évaluation régulière, mais qui n'est pas un contrôle ni une inspection. Ça rentre bien dans le cadre des leviers d'amélioration continue que vous demande l'article L312-8. L'approche reste bienveillante, résolument bienveillante, c'est en tout cas notre approche. Elle permet de mettre en évidence le savoir-faire des ESSMS et la marge de progression dont ils disposent, en confirmant du coup et complétant les constats de l'auto-évaluation. Vous verrez qu'on vous incite fortement à réaliser pour de nombreuses raisons sur lesquelles je reviendrai. La triple dimension méthodologique proposée par le nouveau dispositif, elle est intéressante, complexe, mais intéressante. L'accompagné traceur, traceur ciblé et audit système, elle est à forte valeur ajoutée pour l'usager, le professionnel et le SSMS, puisqu'elle va vraiment d'abord s'appuyer sur la parole de l'usager, son projet d'accompagnement. On va recouper cette compréhension de l'accompagnement auprès des professionnels et auprès de l'ESSMS à travers les éléments de gouvernance et de stratégie. Les résultats des évaluations externes successives conditionnent le renouvellement de l'autorisation. Ça reste le cas, c'était déjà le cas au cours sur le précédent dispositif, ça l'est sur ce nouveau dispositif. L'auto-évaluation de l'ESSMS est fortement recommandée, fortement encouragée, pour plusieurs raisons. Évidemment, on va parler le même langage évaluatif que l'intervenant, comprenez l'évaluateur externe de l'organisme évaluateur. Vous l'avez peut-être compris, mais le référentiel d'évaluation est le même
pour l'auto-évaluation et pour l'évaluation externe. Ce référentiel, on le verra un petit peu plus tard hein, dans la présentation, mais vous verrez qu'il peut être téléchargé. Il y aura des liens de téléchargement dans la présentation. Donc, on va parler le même langage évaluatif. C'est nouveau et c'est très intéressant puisque sur le précédent dispositif, on n'avait absolument pas le même langage. Le cahier des charges était celui de l'évaluateur externe. Le référentiel d'évaluation interne était celui de l'ESSMS. On ne faisait pas forcément le lien. Donc voilà, un avantage fort pour ce nouveau dispositif et qui vous incite hein, à l'auto-évaluation. Le deuxième argument hein, pour mettre en place l'auto-évaluation, hein, c'est la mise en place d'actions d'amélioration sur les critères défaillants. Eh bien, en auto-évaluation, vous allez vous auto-évaluer, évidemment, vous notez, puisque c'est le principe du référentiel, une cotation de 1 à 4, voire même étoile si on a identifié un point fort. Mais on peut imaginer une défaillance, une cotation à 1, l'argumenter, l'objectiver, et c'est bien l'intérêt de l'auto-évaluation, puisque juste après l'auto-évaluation, vous engagerez des actions d'amélioration. On peut donc imaginer que lorsque l'évaluateur externe passera à votre SSMS ou TAMI de ce même référentiel, les actions d'amélioration auront eu l'effet escompté et que la cotation sera meilleure. Garantir, hein, entre parenthèses, le nombre de critères est de 157. Il y a 18 critères impératifs sur lesquels l'évaluateur externe insistera particulièrement. C'est le troisième argument, garantir un résultat d'évaluation externe conforme à ce qu'est véritablement le SSMS, hein, notamment pour l'évaluateur externe, des savoir-faire maîtrisés, des références législatives et réglementaires connues et maîtrisées, des critères impératifs hein, sur lesquels on se sera auto-évalué suffisamment hein, pour ne pas être défaillant au cours de l'évaluation externe. Enfin, des éléments de preuve disponibles et un plan d'amélioration déjà en place et suivi. Donc, tout ça fera de l'ESSMS au cours de l'évaluation externe un établissement ou service prêt et gagnant pour l'évaluation externe. Le référentiel et la méthodologie, quelques mots hein, sur cette méthodologie. Je vous le disais, on insiste bien sur ce point-là. La HAS insiste bien sur le fait que le référentiel hein, émis par la HAS est centré sur la personne. Il comporte trois chapitres. La personne accueillie ou accompagnée, les usagers, les professionnels, ceux de terrain, d'encadrement. Et enfin, l'établissement ou le service social ou médico-social, sa stratégie, la gouvernance, l'organisme gestionnaire. Donc, trois chapitres et trois méthodologies différentes, une pour chaque chapitre. Alors, on y revient juste après. La méthodologie a été conçue, elle a été diffusée par la HAS, qui a publié en mars dernier le référentiel 157 critères et le manuel associé, qui associe pour chaque critère une fiche critère très complète, hein, qui va décrire de manière très détaillée le critère, ses exigences, mais également les preuves attendues, les personnes concernées. On va savoir à travers cette fiche critère s'il est standard ou impératif. On va savoir également quel type de SSMS est concerné par ce critère. On sait qu'on a quatre sous-secteurs, hein, personnes handicapées, personnes âgées, inclusion sociale et protection de l'enfance. On a également des références législatives et réglementaires qui sont rappelées à l'ESSMS, hein, notamment pour s'appuyer sur ces éléments pour développer, pour mettre en œuvre l'exigence, hein, pour la respecter, mais également pour préparer les preuves attendues. Je tiens à signaler à ce niveau-là que les références, c'est ce que la HAS précise également, elles ne sont pas exhaustives. Hein, on vous invite hein, à les compléter. Elles seront complètes hein, pour l'évaluateur externe.
Donc, je pense à des textes réglementaires comme qui évoquent la trame du contrat de séjour ou du DIPC ou d'autres textes réglementaires comme cela. Les RBPP seront rappelés. On vous rappelle que ce ne sont pas des textes opposables. Elles ne sont pas rappelées pour que l'on vérifie, lors de l'évaluation externe, qu'elles sont respectées. Mais elles sont portées à votre connaissance pour que vous puissiez vous en inspirer pour la mise en œuvre de l'exigence et de l'exigence d'amélioration continue. L'utilisation, je vais revenir sur le point 3. À chaque chapitre correspond une approche méthodologique, je vous l'ai déjà annoncé. Pour chaque chapitre, on a une méthodologie qui est issue du secteur sanitaire, applicable en auto-évaluation et en évaluation externe. La compagnie traceur, c'est la personne, le traceur ciblé et l'audit système sont des méthodologies détaillées dans les documents de la HAS. On ne reviendra pas là-dessus, on le détaillera nous aussi en formation. Enfin, quatrième point important, l'auto-évaluation comme l'évaluation externe, si elles utilisent le même référentiel, utiliseront également la même plateforme. C'est un système d'information nommé CNAE qui permet de saisir en ligne sur ce logiciel les cotations pour chaque exigence du référentiel, mais également des commentaires, voire même des points forts ou des axes de progrès. Cette plateforme, ce système d'information va générer également les résultats, comprenez le rapport d'évaluation qui va détailler les résultats des cotations sur le critère, le chapitre et les objectifs de manière même visuelle sous forme graphique. Les enjeux annoncés de la démarche d'évaluation, qu'elle soit auto-évaluation, évaluation externe, permettre à la personne d'être actrice de son parcours personnalisé, renforcer la dynamique d'amélioration continue des SMS. C'est vrai que c'est un leitmotiv. Si vous trouvez que j'insiste sur ce point-là, ce sera vrai. Effectivement, la loi insiste, les référentiels insistent. Renforcer la dynamique d'amélioration continue, ça ne signifie pas avoir une nouvelle dynamique, mais s'appuyer sur les éléments sur les leviers que vous avez déjà mis en place, les événements indésirables, la fiche d'événements indésirables, leur suivi, les enquêtes qualité, le CVS, les éventuelles démarches de labellisation ou même de certification. Et enfin, l'auto-évaluation, tout ça, ça doit être pris en compte pour renforcer cette démarche. Sachez quand même que le référentiel d'auto-évaluation, dans son objectif 3.10, demande lors de l'auto-évaluation, mais également de l'évaluation externe, de vérifier que cette dynamique d'amélioration continue est bien en place et est bien suivie. Enfin, la démarche d'évaluation, d'auto-évaluation et d'évaluation externe doit être porteuse de sens pour les ESSMS et leurs professionnels qui se retrouveront bien davantage dans ce référentiel. Quelle que soit l'évaluation, une appropriation optimale du référentiel et des compétences techniques sont nécessaires. On insiste bien là-dessus, c'est pour ça que vous pourrez envisager la désignation d'une ressource dédiée à cette démarche d'amélioration continue, cette démarche qualité, au suivi des différentes démarches d'évaluation de votre établissement, comme un référent qualité ou un responsable qualité. Un comparatif entre l'évaluation telle qu'elle était avant, l'évaluation de maintenant. La précédente évaluation externe devait être précédée d'une évaluation interne. On sait que maintenant, seule une auto-évaluation est proposée, elle est recommandée non obligatoire. La précédente évaluation externe ne s'appuyait sur aucun référentiel commun, évaluation externe et évaluation interne. Maintenant, référentiel et méthodologie sont communs aux deux évaluations, c'est le référentiel HAS associé au manuel et les fiches critères. Le rapport d'évaluation externe n'était transmis qu'à l'autorité de tarification et de contrôle. Il sera maintenant également transmis
Il est maintenant transmis également à la HAS. Le rapport d'évaluation externe ne présentait aucune cotation. Seuls les niveaux de priorité et des préconisations étaient définis par les intervenants en accord avec les ESSMS évalués. À présent, le rapport d'évaluation externe présente un niveau de cotation pour chaque objectif et critère du référentiel, 157 critères, et un niveau global par chapitre. La mise en œuvre des actions correctives préconisées à la suite des écarts identifiés ne faisait pas l'objet d'un suivi systématique par l'administration. À présent, 18 critères impératifs font l'objet, en cas de défaillance, d'un formulaire rempli par l'évaluateur externe et joint au rapport. Un plan d'action doit être obligatoirement produit et des investigations complémentaires pourront être menées. Le profil des évaluateurs externes n'était pas vraiment défini. Il est maintenant parfaitement défini dans le cahier des charges de l'accréditation. Il impose un profil lié à une expérience de 3 ans dans le secteur médico-social, un diplôme de niveau 6, sans compter la qualification et le niveau de compétence que l'organisme évaluateur fixera. Les rapports n'étaient pas rendus publics. Le résultat de l'évaluation maintenant font l'objet d'une diffusion publique. C'est ce qui est annoncé. Attention, aucun texte réglementaire ou législatif n'a encore été diffusé en ce qui concerne cette publication du rapport d'évaluation externe. On l'attend. On vous tiendra au courant dans notre actualité, en tout cas, si ça l'est. La démarche d'amélioration continue n'était pas obligatoire, elle est maintenant. J'ai suffisamment insisté pour que vous compreniez que maintenant elle est obligatoire. Et d'ailleurs, l'article D312-203 du CASF prévoit que le SSMS fasse mention dans son rapport d'activité annuel à l'autorité de tarification de contrôle des actions engagées dans le cadre de cette démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations et du service rendu. Il n'y avait pas de suivi formel par l'administration des plans d'action suite aux évaluations. La HAS s'engage à présent à suivre des plans d'action, faire des demandes complémentaires, éventuellement contrôler les rapports d'activité mensuels des ESSMS. Une question, deux questions même. Rentrant dans notre sondage, avez-vous déjà désigné un référent qualité ou responsable qualité qui évidemment pourra avoir d'autres fonctions dans l'établissement ou le service? Avez-vous prévu de réaliser l'auto-évaluation de votre service ou de votre établissement ainsi que c'est recommandé? Les actions concrètes. Je ne sais pas ce que l'on entend. Les actions concrètes qu'on vous conseille de mener dès maintenant, bien déterminer de quelle programmation vous dépendez, la première, la deuxième, celle des établissements autorisés en 2008-2009, ou la seconde qui vous sera spécifiée, notifiée au plus tard au 1er octobre 2022. Et on vous incite également à informer, engager l'encadrement dans le nouveau dispositif. Je vous l'ai dit, vous préparez dès maintenant, déterminer les responsabilités et rôles de chacun dans l'auto-évaluation, dans la démarche qualité, dans la prise en main du référentiel. Télécharger tous les outils méthodologiques déjà en place sur le site de la HAS, référentiel, manuel, procédure. Je vous propose là un lien de téléchargement qui devrait fonctionner. Identifier les acteurs de l'auto-évaluation en interne, référent en qualité, professionnel, mais aussi usager, puisqu'on a deux méthodologies qui se rapprochent de l'usager, l'accompagné traceur et le traceur ciblé. Il faut créer un compte Sinoé et vous déclarer un référent en SSMS. Voilà un lien sur le compte Sinoé pour vous inscrire, pour créer un compte sur la plateforme Sinoé. Réaliser l'auto-évaluation, ça peut être dès maintenant à partir des outils HAS. Et évidemment, mettre en place un plan d'action d'amélioration issu de l'auto-évaluation pour vous engager dans cette démarche de progrès et mener les actions correctives qui seront visibles lors de l'évaluation externe. Enfin, se préparer à l'évaluation externe en maîtrisant les exigences réglementaires et en préparant les éléments de preuve prévus dans les fiches critères.
sélectionner l'organisme évaluateur parmi les organismes accrédités. Ils seront, la liste des organismes accrédités sera disponible sur le site de l'AHS, c'est celui de SINAE, dès lors que les organismes évaluateurs auront reçu leur notification de recevabilité, c'est-à-dire dans les 2 à 3 prochains mois, puisque les organismes évaluateurs, en tout cas en ce qui nous concerne, nous avons déjà émis une demande de recevabilité auprès du COFRAC. Nos prestations, je passe la parole à Nicolas. Merci Marielle. Je vous rappelle, donc vous avez la partie sondage, 3 questions vous ont été posées, il en reste 4 autres qui arriveront par la suite. Vous avez la partie sondage qui est en bas à droite et on se réserve 15 minutes pour poser les différentes questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc à travers cette présentation que vous avez fait Marielle, les prestations que nous vous proposerons au niveau du groupe APAV sont assez synthétiques donc, et attendues si on peut dire. L'évaluation externe bien évidemment, puisque le groupe APAV s'est positionné la semaine dernière sur la demande de traçabilité et d'accréditation COFRAC 17020, c'est le référentiel COFRAC correspondant, a été émis. On attend le retour du COFRAC sur cette recevabilité pour pouvoir réaliser les prestations d'évaluation externe. Nos ressources, comme ça vous avez été précisé, donc on intervient sous forme de binôme, c'est ce qui est demandé, compétences et expérience requises bien évidemment sur ces auditeurs, ces évaluateurs, avec une durée de 2 jours, qui est une indication qui sera adaptée bien évidemment en fonction de la taille de l'ESSMS, de son activité potentiellement au niveau du site concerné. Disposons d'une 30aine d'intervenants et d'évaluateurs qui ont le profil, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Marielle, une expérience du secteur médico-social et un diplôme de niveau 6 sur le territoire national et pour l'ensemble de nos clients sur le secteur médico-social. Nos compétences et reconnaissances, on a intervenu sur l'ancien référentiel dont vous parlez Marielle tout à l'heure, entre 2014 et 2021, à travers plusieurs centaines d'audits au niveau du secteur des ESSMS. Donc ça, c'est la première prestation. Les 2 prestations qui sont en cours de développement du groupe APAV concernent les formations, puisqu'il y a bien évidemment des marges d'amélioration continue, comme vous l'a dit très précisément Marielle, et donc bien évidemment formation de ces personnes qui sont dans cette démarche-là, engagées dans cette démarche. 2 stages de formation seront proposés au niveau du groupe APAV, qui, je vous rappelle, est le 2e organisme de formation privée en France. Donc cette partie-là durera 2 formations, la partie s'auto-évaluer, donc une formation sur 3 jours, formation action, pour vous accompagner dans l'auto-évaluation au niveau du référentiel et du référentiel HAS. 2e formation qui est en cours de développement à travers les différents documents, bien évidemment formateurs, stagiaires et tout ce qu'il peut y avoir en support. 2e formation qui sera la formation être référent qualité, un ESSMS. L'idée est d'accompagner nos clients avec une formation de 3 jours pour qu'ils puissent, au niveau de leur établissement, désigner un référent qualité, que l'on trouve beaucoup dans le sanitaire sur ce type d'organisation, peut-être pas moins sur le médico-social. Donc ce sont les 2 formations sur lesquelles on va accompagner nos clients et aider nos clients sur cette démarche et sur nos nouveaux référentiels de la HAS. Donc ces stages seront, pour le timing qu'on s'est donné, disponibles à partir de septembre 2022, le temps de créer les supports, bien évidemment, et tous les documents de stage associés pour ces formations-là. Voilà les prestations qui seront proposées par le groupe APAV à court ou moyen terme au niveau de l'année 2022. 4e question, pour cibler un peu mieux vos attentes et vous accompagner au mieux dans cette démarche-là, quel est votre besoin immédiat sur cette démarche-là? Donc toujours pareil, le même principe sur la partie sondage en bas à droite, vous avez la 4e question qui vient d'apparaître et qui est laissée à votre discrétion pour y répondre dans le délai du webinaire. Vous avez de plus sur une infographie qui a été créée par notre service marketing, Mathilde, que vous avez vu au début du webinaire. Donc une infographie qui résume les grandes lignes de la partie évaluation externe des ESSMS. Vous aurez un lien pour le télécharger sur la présentation qui vous sera communiquée à la fin du webinaire. Et vous avez la possibilité aussi de le télécharger sur notre site internet, apav.com. Il est mis à disposition de nos clients et de l'ensemble de nos clients au niveau national. Vous aurez la possibilité, les liens qui vous sont donnés dans la présentation vous permettront d'accéder au document à travers cette présentation sur ce qui vous a été indiqué. Les 3 dernières questions qui restent sur cette présentation, donc les sondages qui comportaient 7 questions. Question numéro 5, avant cet e-workshop, disposez-vous des informations nécessaires sur le nouveau dispositif d'évaluation, excusez-moi. Question 6, cet e-workshop a-t-il répondu à vos attentes? Question 7, souhaitez-vous être contacté par nos experts pour un accompagnement ou des renseignements complémentaires sur ce qui vient de vous être exposé? Toujours pareil, partie sondage en bas à droite sur les différentes questions et les 7 questions qui vous sont posées, on vous remercie d'y répondre, ce qui nous permettra à nous d'orienter au mieux notre accompagnement auprès de nos clients.
ou de nos futurs clients. Vous avez ici les coordonnées des différents interlocuteurs qui seront vos points d'entrée pour toute demande de prestation sur ce sujet et sur ce nouveau référentiel. Il est 11h41, il nous reste peu plus d'un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, on va intervenir Jean-Pierre qui va faire le maître d'œuvre sur la partie questions, histoire, et on répondra au mieux à vos attentes. Et juste avant de démarrer, désolé Jean-Pierre, pour information, Marielle a été déconnectée pour des problèmes d'Internet, donc on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre, sinon je vous laisse répondre aux questions de Nicolas et Jean-Pierre. Alors, je ferai de mon mieux, je suis beaucoup moins expert qu'Ed. Bonjour à toutes et à tous. Il y a un certain nombre de questions dans le chat. Bernard m'a posé une question sur les ERP, j'en ai profité en parallèle pour essayer d'avoir sa réponse, donc j'ai corrigé la réponse plusieurs fois, il pourra regarder, c'est un peu hors sujet, mais je me suis attaché à lui répondre. On a des questions sur les dates et puis on a une question aussi sur SINAE. Donc, Estelle nous demande si on peut se servir de SINAE dans le cadre de l'auto-évaluation. Oui, on peut se servir de SINAE dans le cadre de l'auto-évaluation. C'est même prévu pour. L'HAS a prévu que l'outil soit disponible pour les établissements pour gérer leur retour d'évaluation et les évaluations externes afin d'avoir des réponses à leurs écarts et le suivi de leur traitement. On a plusieurs questions sur les dates. Donc, Marielle est avec nous. Donc, on a un certain nombre de questions. Globalement, ce que je peux vous dire sur les dates de renouvellement, c'est que les établissements qui étaient 2008-2009 sont concernés par le premier semestre et que pour tous les autres, on attend la programmation par les autorités de tutelle. Donc, ça veut dire que j'ai des dates, j'ai des questions sur une autorisation qui date de 2017, une évaluation qui était prévue en 2021, une autorisation de 2006. Malheureusement, je pense être en peine de vous donner plus d'éléments parce que c'est les autorités de contrôle qui répondent. Je te laisse compléter, Marielle. Marielle ? C'est bon, oui. Oui, je voudrais apporter un complément. J'ai vu qu'une question portait sur un établissement qui devait faire son évaluation externe en 2021. Une autre question portant sur un établissement qui a été autorisé en 2006. Eh bien, pour le premier établissement qui parle d'une évaluation externe qui aurait dû être faite en 2021, eh bien, on oublie, hein, c'est l'ancien dispositif. On remet tout à zéro, le texte de loi qui imposait cette programmation tous les 7 ans a bien été abrogé. Cet établissement doit très sagement attendre l'arrêté, hein, la notification par son autorité de tarification et de contrôle qui lui parviendra au plus tard au 1er octobre 2022. Donc, plus besoin de vous préoccuper de programmer cette évaluation externe. Quant à l'établissement qui parle de son autorisation en 2006, ma réponse est la même. Vous devez attendre votre arrêté, le courrier qui notifiera la programmation. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Attendez d'avoir cette programmation. Ne vous lancez pas dans un calcul hasardeux. Ça n'est plus le cas. Merci Marielle. Donc Patrick nous demande quel sera le rôle du comité de vie sociale du CVS dans le cadre de l'évaluation des SSMS selon le nouveau décret. Alors, une question intéressante, hein, sur le CVS. Oui, il est bien pris en compte. D'ailleurs, le référentiel et le manuel a consacré tout un volet de questions qui seront posées aux membres du CVS, hein. Donc ce sera très intéressant puisque du coup ça balayera très, très, très précisément les 30 articles du CASF qui régissent l'organisation du CVS. Donc oui, plus que jamais, le CVS sera consulté lors des évaluations, autant auto-évaluation qu'évaluation externe. Je vous engage à regarder la fiche pratique, hein, la partie du référentiel ou du manuel qui porte sur les questions précises au CVS. Estelle nous demande si dans les critères d'évaluation, il y a des sous-secteurs, des questions sur certains sous-secteurs comme les personnes âgées ou les types d'établissements, EHPAD ou résidence autonomie. Il me semble que oui, qu'il y a des questions spécifiques.
Hein, en fait, c'est des critères d'évaluation incluent des distinctions entre le type d'établissement. Exemple, EHPAD et résidence autonomie. Absolument. Oui, alors les fiches critères sont très claires. Hein. Elles indiquent très précisément pour chaque critère les établissements et services concernés. Donc non seulement s'il s'agit d'un établissement ou d'un service, mais aussi si le critère concerne le secteur handicap adulte, handicap enfant, inclusion sociale, protection de l'enfance, personnes âgées. Donc on a quand même une majorité de critères génériques, hein, qui concernent toutes les structures, mais quand même 28 critères spécifiques qui s'appliqueront plus spécifiquement aux 4 sous-secteurs. Adeline nous demande si elle doit conserver son plan d'évaluation interne existant avec des objectifs trimestriels jusqu'à fin 2023 ou elle doit le refaire complètement. Alors, effectivement, le référentiel a complètement changé. Marielle ? Oui, je suis d'accord. Hein, le référentiel, la méthodologie, l'approche, le contenu, tout a changé et la réponse est non. Hein, il va effectivement falloir se lancer dans l'auto-évaluation. Et je reviens sur l'intérêt d'utiliser le référentiel pour l'auto-évaluation, c'est qu'attention, je répète, hein, vous parlerez le même langage que l'évaluateur externe. Vous serez prêt pour votre évaluation externe, vous aurez apporté des réponses, rassemblé des preuves et mis en place des actions correctives qui vous permettront d'être bien noté, on va dire, ou de répondre fermement et complètement à l'exigence du référentiel. Corinne nous demande si les clics seront soumis à ce nouveau référentiel HAS. Je ne sais pas ce que c'est les clics. Alors, question, j'ai un petit peu de mal. Alors, sont soumis à ce nouveau référentiel toutes les structures qui est en numéro finesse. Et j'ai un petit doute pour les clics. Elle nous demande également si ils viennent de terminer l'évaluation interne avec l'ancienne formule, est-ce que ça va être considéré comme un autodiagnostic ? J'ai peur que non, vu que le référentiel n'est pas le même. Non, toujours pas. Non, c'est bien le. Donc on ne peut pas considérer hein, que je viens de répondre justement le même réponse. Hein, quelle que soit l'évaluation menée, avec quel que soit le référentiel, il faut faire cette auto-évaluation avec le référentiel, toujours pour la même raison, hein, parler le même langage, parler des mêmes exigences, parler des mêmes preuves, avoir une note qui vous permette de vous améliorer. Toujours la même réponse. Alors pour l'instant, je crois qu'on a traité toutes les questions. Je suis en train de vérifier. Je n'en ai pas d'autres dans la liste. Et il ne reste que la question du clic qu'il faudra vérifier. On pourra revenir directement auprès de la personne, auprès de son adresse mail. Ce que je vous propose, du coup, il est 11h50, c'est de clôturer ce webinaire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une dernière question qui vient de tomber. Donc, effectivement, la question d'Amélie, c'est est-ce qu'il faut dès maintenant s'enregistrer sur Sinaé pour mettre en place notre plan d'action d'amélioration continue ? Oui, en passant par la case appropriation du référentiel et auto-évaluation. Je peux compléter. Bien sûr, il faut dès maintenant créer votre compte sur Sinaé. Vous en avez la possibilité. Désigner votre référent, compléter à toutes les rubriques nécessaires. Et pour mettre en place un plan d'action, non, pas tout de suite. Vous allez d'abord vous auto-évaluer et juger au regard de la cotation que vous aurez jugée la bonne, mettre en place le plan d'action et surtout le suivre pour qu'il soit effectif lors de l'évaluation externe. Jean-Pierre nous demande si les SAAD, sont soumis à la charte nationale qualité qui est dans l'outil Nova. Est-ce que cette charte sera toujours obligatoire et utilisée par l'évaluateur ? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, ça reste un outil dissocié de l'évaluation externe.
Ah, une question d'Aurélie, qui était une bonne question qu'on a eue par ailleurs, c'est est-ce qu'on doit renseigner le FINES juridique ou géographique sur SINAE? Donc ça, il y a aussi, en fait, ça correspond aussi également à la logique de découpage des évaluations. C'est le FINES juridique. Par contre, c'est une question. Je connais qu'un seul numéro FINES par établissement, celui que nous pouvons trouver sur le fichier FINES. Alors, un SIRET correspond à un code FINES, et c'est bien ce code FINES qui rend unique l'auto-évaluation et l'évaluation externe, et qui était renseigné sur SINAE. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs références sur SINAE? Alors, il faut savoir que SINAE, on n'a pas encore toutes les informations et l'outil n'est pas complètement finalisé à notre connaissance également. Dans le cas de Service Central Qualité, de Apparemment, oui. différence. Oui, apparemment, oui. Apparemment, oui, on peut désigner plusieurs personnes. J'ai ouvert un compte SINAE, mais je ne suis pas parvenu à commencer l'auto-évaluation. Y a-t-il un référent que l'on peut contacter? C'est probablement l'AHS qui a dû mettre en place une assistance. Alors, il fonctionne, hein. Il faut trouver les bons boutons. Alors, sur le site de l'AHAS, il y a un guide utilisateur qui est très bien fait, hein, que vous pouvez télécharger et qui est visuel puisqu'il présente les écrans à utiliser et les différents boutons où il faut cliquer. Donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le. J'espère que ça vous débloquera. Thierry nous demande que faire des objectifs CPOM s'ils sont différents des résultats de la première auto-évaluation. Que faire des objectifs FM si différents des résultats de la première auto-évaluation? Vous parlez bien de l'auto-évaluation. Voilà, c'est l'auto-évaluation sur le nouveau référentiel. Si les résultats que donne cette auto-évaluation sont différents de ce qui a été fait avec le CPOM, qu'est-ce qu'ils Faire des objectifs CPOM font? Les si objectifs. sont différents des résultats de la première auto-évaluation. J'ai un petit peu mal à comprendre la question, mais les objectifs CPOM de toute manière doivent être suivis, que l'on fasse ou non l'auto-évaluation. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Peut-être, est-ce qu'il y a un complément? Non, est-ce que l'autorisation initiale. Non, est-ce que l'autorisation initiale ou Ah, le renouvellement d'autorisation qui compte pour le calcul du calendrier? Non, hein, je vous l'ai dit, la date d'autorisation est maintenant est dissociée, mais il se trouve qu'effectivement, à partir de maintenant, on va se retrouver, hein, à la veille des renouvellements d'autorisation. La dernière vague d'autorisation était en 2017. Donc non, tout est dissocié. La programmation est dissociée de la date d'autorisation. Laurent nous demande s'il y a un budget maximal fixé par l'autorité de contrôle pour réaliser l'évaluation externe. La réponse est non. Il n'y a pas d'indication On n'a pas d'indication. On n'a pas d'indication. économique. La question a été posée. L'HAS, effectivement, essaye d'avoir des réponses, hein. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments. On nous promet des éléments sur l'aspect budgétaire. On ne les a pas encore. Audrey nous demande, nous avons un organisme extérieur de labellisation avec son propre référentiel qui nous validait le prolongement de notre autorisation. Est-ce que cela sera toujours le cas? Pour moi, non. On change de référentiel et de dispositif. Et désormais, c'est l'évaluation externe par des organismes accrédités qui fait foi. Oui, alors, vous pensez peut-être à un organisme extérieur de certification. Effectivement, sur le précédent dispositif, donc si c'est bien ça, hein, la certification, notamment pour les SAAD, hein, permettait de dispenser de l'évaluation externe, hein, pour quatre certifications très exactement. Eh bien, il se trouve qu'on n'a pas d'éléments sur la reconduction ou non de cette dispense d'évaluation externe. On est très attentif à ces éléments et on vous tiendra au courant par nos actualités pour savoir si la certification est toujours toujours évaluation externe, notamment pour les SAAD.
Je crois que nous avons fait le tour des questions. Jean-Pierre, il me semble. Oui, il me semble. Je n'ai pas renseigné le clic parce qu'on n'avait pas l'information. Et est-ce qu'il peut y avoir plusieurs références sur Sinaï? J'ai eu une petite coupure, donc je n'ai pas entendu ta réponse, Marianne, mais je crois que c'est oui. Hein. Pour le service central qualité et différents systèmes rattachés. Ce qu'on a précisé, tout à fait. Je ne sais pas s'il reste des questions à poser. Il nous reste 2-3 minutes. Non, on a eu beaucoup de questions de dernière minute, mais là, je crois que ça y est, c'est terminé. Donc, ce que je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez recevoir le replay de l'événement directement à la suite de la présentation. Et lundi, nous vous enverrons le PDF de cette présentation. Comme ça, voilà, vous l'aurez à votre disposition. Et je vous propose de clôturer l'événement si c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toi, Jean-Pierre, et puis Nicolas et Marielle. C'est parfait pour moi. Merci à tout Merci le monde à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci pour l'animation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.